Benoît Grange, je suis adjoint au maire de Pessac, en charge d'un grand secteur qui comprend notamment le quartier de Sèges. Et donc à ce titre, j'ai souvent l'occasion de voir Mohamed Jamaï, de travailler avec lui, de travailler avec tous les éducateurs de l'USAP qui font un travail très très important sur ce quartier. Alors, Pessac, c'est une ville dans laquelle, d'abord, on a de très très nombreux clubs sportifs. On a plus d'un quart de la population qui est licenciée dans des clubs sportifs. Et puis, c'est aussi des clubs qui sont implantés depuis très longtemps, et notamment l'USAP, qui arrive à concilier à la fois le haut niveau. C'est le cas ce soir, c'est le cas avec Wail Jamaï qui a été champion de France, et puis aussi de la boxe éducative et donc de la boxe pour le plus grand nombre. C'est vraiment ça la spécificité de Pessac, d'avoir à la fois le haut niveau et en même temps du sport pour tous. Mohamed, c'est quelqu'un qui est absolument incontournable dans le quartier, qui est une figure du quartier, qui a aidé très très nombreux jeunes. À donner à un moment où il pouvait connaître des difficultés, à ne pas savoir pourquoi il se levait le matin, et ben Mohamed, ça fait partie de ces gens qui aident les jeunes à leur donner un but, à leur dire pourquoi ils se lèvent le matin, à leur montrer qu'il y a un certain nombre de règles dans la vie et qu'il les encourage à se dépasser, à aller plus loin. Et c'est pas pour rien si dans le quartier à Pessac, c'est quelqu'un qui est très très reconnu.